Ça veut dire que si tu prends ton café, tu le mets dans le frigo chez toi, faut que tu le payes. Jacques, tu veux lui prendre ton frigo, il faut vous payer maintenant. Big micro. Yo, real set. Yo, pog. Dr.Nice, gang and game. Real shit. Welcome back, guys. On est encore deux. On est encore deux commentateurs pour ce beau set. Dragoon contre Dr.Nice. Dr.Nice, gang, on a fait un game.
Dragoon, il est comme en mode c'est que je joue mal à soi. J'ai envie de faire du friendly fire pas mal aujourd'hui. J'ai perdu contre Kendude aujourd'hui, mais. Kendude. Oh, bon le Chobi. 54% sur Dragon. Drag down forward air to back to him. Back air, back air. Oh wow, double it. Vraiment fait. Donc c'est quoi si t'as vu le premier match? Non. Dragoon était genre à 80% puis Dr.Nice était comme à 120. Et ça devait être la stop! Puis dans le fond Dragoon a overextend off stage, il serait backer puis il est mort. Mm. Il s'est frappé la tête après. Il s'est pris la tête après. Il a réalisé son erreur qu'il a faite. Oh, back throw, là, ça peut être vraiment dangereux. Et oh! Town, c'est une super bonne map dans le match. Oh, par contre, back throw qui kill. Ben, back throw qui kill. Ness là, les kids, je suis sûr. Moi, je suis back. Je suis vite fait. Ness, son back throw, c'est pour les kids. Parce que pas un gars, les gars. Oh, moi, je suis pas kill. Oh, ben, get up. C'est genre pour ce personnage qui ont tellement confiance sur le back throw pis genre ils font jamais de pommel avec ton confiance. Ils ont pas besoin de pommel moi. Mais dans le matchup c'est tellement une scène à quel point genre Ridley vraiment un punish game vraiment moins bon que Ness. Oui. Genre Ness il fait un opening, pong un PK fire, il fait peut-être 50-70 genre. Ben Ridley really good. Ridley fait comme. Alright, tu peux pitch en edgeguard. Ridley peut-être en plus en manque de move out of shield. Oh peut-être, je pense cool. 102% sur Ness, sur Ridley. On cherche vraiment le up air et le back air. Okay, moi j'étais douteux de la tendance de la part de Powerbam, tendance de la part de Nice, mais ça a l'air de payoff un peu. Le premier match, je pense qu'il était sur stand le premier match. En plus, oh le up air, le match qui kill pas. Non. Même pas encore ce up air là parce que on est. Le logo scoring qui est pas dessus, on a peut-être demandé à Todd Howard de le bas. Oh, il est dans le show. Oh, ok. On va jouer un autre back-end, hein? On est dans le jeu. Le point légal côté pourcentage. Je cherche vraiment une grosse opening. Dr.Nice, c'est un peu trop overextend. Il aurait fait être dangereux si c'était le back-end après. Un autre affaire. Je pense que. Dragoon, il y a un petit peu de misère avec ses NTR aujourd'hui. Je cherche vraiment les back-ends pour prendre la stock. Ouh, ça aurait pu être très dangereux de la part de Dr.Nice avec ce roll-là. Il était vraiment greedy, mais ça paye off. Je cherche vraiment un PK fire pour catch la stock. Un petit peu de mouvement, mais le gars de Steel. Oh, reach! Jump, up smash. Ça va être un c'est très beau ça. Je dirais que Ridley, c'est pas mon personnage avec les smash attacks. C'est mes préférés. Toutes les smash attacks sont goddamn weird. Genre, sur Force Smash, il recule tellement loin avant de le faire, pis son down smash, ben. Il n'y a pas d'hitbox, il peut pas se frapper quand il jump, puis même le smash, il... Kazuya Mishima. Il est très drôle, c'est smash, c'est smash. À part le smash qui est basic. Mais que le forward smash puis le down smash en fait. Ouais, je sais, mais quelque chose dire, c'est... Ça va pas Ridley dans mon livre à moi. Non, mais Ridley, c'est juste que... Quand t'es hit, t'es comme... Weird. Oh! Bah! Ch'touk! C'est tout le smash. Ouais, mais tu sais, Ridley online, ça veut dire si quelqu'un est sur l'edge, charge dans le smash. Tu sais, ça serait pas la première fois que Ridley tue un jeune enfant. Dans la lore, Ridley a massacré tout un village d'enfants. Ben, en fait, il a massacré le village de Samus. Ouais. Mais je sais pas s'il y a des enfants en principe. J'imagine. Que j'imagine. Oui. Après ça, il faut tuer Samus, fait qu'il va finir la job comme nous autres. Ouais, mais ça, c'est parce qu'il est en adolescence. C'est révoqué, c'est ça. Dans le fond, c'est le contraire d'un Smash Player. Non, parce qu'au moins Samus, elle avait jusqu'à 14 ans, t'es dans les ans. Dans non, les en, fait, Samus, quand ses parents sont morts, elle était jeune. Elle avait quel âge? Je sais pas, mais... Pour un Smash Bros, ça serait trop jeune. Il faudrait qu'elle soit barely 18. Mais dans le fond, elle était... Ses parents mouraient, puis après ça, elle était orpheline, puis une civilisation d'oiseaux qui ont pris entre ses mains. Yeah, ça c'est dans le comic, right? Ouais. Oh, très dangereux! La date de Nice, c'est son game, il est quand même très bon, c'est comme ça. Back show par contre, là faut qu'il sorte du back. Oh, essayer d'aller manquer un petit peu le coup de registreur de back-end. On retourne dans la même situation que game 2. Donc Dr.Nice prend un petit peu l'avance, mais il est pas capable de. Oh, et voilà. Ça c'est tendu. Ah, je sais pas, je sais pas.
à quel point j'aime faire l'entité dans ce match. Un petit peu trop overextend, faire une fois la part de l'automne. C'est tout le temps punish. C'est vraiment ça, à chaque fois il overextend, puis Dragoon vient tout le temps punish et c'est avantage. Pour chaud. Ok, je sais pas trop si j'ai fait ça. Et voilà, un autre main grab. Il meurt pas. Encore un autre up smash. On est vraiment. Dragoon font vraiment toutes les rolls. Oh non! Ça aurait pu être huge, mais sort du upbeat de Ridley. Je vais prendre deux secondes pour dire que Samus, lors de l'attaque de Ridley, s'appelait que tous ses parents avaient 3 ans. Ah, c'est pour ça, t'es trop jeune un peu. Ouais. Back to, je veux pas prendre la stock, mais. Oh wow! Ok, c'est weird. Un autre affaire. J'ai peur que ça se dit encore. Très smart. Oh, c'est vraiment le backer, mais ouais, TK Fire, c'est le punish. Oh! Voilà, je pense qu'il aurait roll. Il n'y avait pas d'option. Mais je pense qu'il aurait roll, il était pas au milieu. Je pense qu'il aurait pu roll. Je sais pas, je pense qu'il aurait roll à droite, il aurait été correct. Barely. Honnêtement, c'était... Dragoon utilise beaucoup plus les plateformes de dentiste, mieux que... Dr.Nice. En plus, Ness, c'est pas comme s'il manquerait de moveset pour pouvoir utiliser des plateformes. Alright, 84%. Est-ce qu'on va voir la même situation que Gamer? Oh, manqué PK Fire, jab au complet. Je sais pas qu'il va être offstage, encore il était de la stock. Je dis, il peut souffrir, il peut être offstage. Nice, un petit peu trop greedy avec ses. Pour recover, revenir au stage. Oh! Et voilà, il y a plus de jump. Ah non, il y a encore son jump. Il y a encore son jump, man. Il a recover le jump? Il a gardé le jump, man. Je pense qu'il y a une landing sur stage. Par exemple, ça peut, j'ai dit, ça peut roll out vite pour Dr.Nice, mais c'est pas arrivé. C'est pas Ness pas long que comme ça arrive. Ça serait pas un roll out. Ça serait un roll out. Genre, il aurait commencé, puis ça aurait roll out vers plus de dommages. Okay, okay. Comme l'attaque dans Pokémon. Non, j'ai dit plus comme dans Overwatch. Fait que tu pognes le premier objectif, après ça, l'autre équipe peut sans rien faire, t'es inexistible. Ça veut dire que ça snowball. Ouais, snowball, je le dis. Tu fais plus d'attaque à chaque, tu fais plus de damage à chaque. Mm. Ah, il est barbu dans la caméra de back pour Dragoon for a piece. Exactement, la question c'est si on est encore sur Manny Goddamn Stage. Ouais. Ok. C'est comme toi. Le Tournoi City contre Ridley, c'est le même principe que toi pis Tig dans Battlefield. Genre, je comprends pas. J'ai fait Tig dans Battlefield. Aujourd'hui, c'est encore fait Tig dans Battlefield. Non, en fait, il y a 2-3 fois, c'est moi qui ai dit là. La part du temps aujourd'hui, il y a personne qui m'a. En fait, il y a une personne qui m'a Tig dans Battlefield. Oui, c'est mais le reste, c'est. C'est pas Anmok, c'est. Vraska. Non. C'est pas Vraska, mais t'es qui se fait en fait. Avec Swordfighter. Arrêtez de laisser au Battlefield open pour Bitch. Par exemple, contre Raggy, ça peut faire grand chose. Oh! Ça aurait pu être huge. Ça aurait pu être huge. T'as pas mal été contre Raggy. C'est juste que. Là, on est basically sur Raggy, c'est dans plus gros. Mais là, les plateformes arrivent dans quelques secondes, par exemple, et voilà. Mais ça, ces plateformes-là sont tellement bonnes pour. On revient encore sur la situation de Game 2 et Game 3. Donc Dr.Nice joue bien la première. Puis là on est encore dans une meilleure encore avance. Ensuite c'est mentalement, j'en trouve quand il se fait frapper de gros pas, Manny ça va être plus dur genre. Ouais, ouais. Il essaie de closer la stop vraiment trop vite. Oh, un autre F-tilt. Puis lui cover. Mais Dragoon qui est pas capable d'aller le chercher. Ça rien d'aller le chercher quand tu as confiance en... Ça peut pas empêcher Ness d'en venir, ouais. Ouais, je pense qu'il a encore son jump. Non, mais il est pas peur vraiment. Peut-être que je me trompe. On voit pas beaucoup de dentelle quand même de la part de Dr.Nice, surtout dans des situations de pressure de même. Ben ses jambes sont quand même courtes, ça va être jamais le fourth tilt de Ridley. Puis on voit, puis on Dragoon tu sens le fourth tilt, avec raison, c'est pas le meilleur move de Ridley facilement. Non mais je parlais de Dr.Nice. Bonjour Vraska. Salut Vraska. Bad dog gang. Ouais, en tout cas, ça va être ça, là. C'est le retour de Green and Watch, on va... Ça va être ça, là. Mais, oh, une meilleure situation de la game 2-3. J'espère qu'on va avoir une game. Oh, down. Et oh! Là, non, il est encore vite. Et... Là, il est à vie. Il aurait dû... La seule manière qu'il a pu vraiment recover, c'est d'attendre. C'est plus c'est dramatique, ça. Oh non! Ok, c'est tellement dangereux, mais dans le yo-yo... Le yo-yo est une bonne situation contre son personnage, contre Ridley, il y a tellement de body armor que son habit, ça marche pas jamais. Il y a beaucoup de priorités. Ouais, c'est ça.
Mais t'as dit qu'on a deux personnages, le yo-yo est vraiment bon. Je sais pas combien de side B. C'est side B là, ça y a tellement permis de faire des shots contre dans ce set-là. Dans le non, pas on va jamais dans le à part de l'autre. C'est pas genre un combo setup ça? C'est genre dans le shoot ou for there, for there. Oh my god! Non. Attention. Oh, il est foncé en dessous. Et encore. On fait le punish game. Oh, parce que. Oh, voilà, back un petit peu trop baby pour venir au stage. Très beau stage. Très beau set. Game 5? Il a failli l'amener game 5. Ok, je fais 3-1. Je fais. Tu gagnes une game, j'ai pas vu.